Cette semaine à Tour de Ville, je rencontre Patricia Carrier, technicienne en loisirs à la MRC du Granit, qui nous parle de la formation pour les animateurs. Jean-Sébastien Roy nous rappelle que la session d'été débute bientôt et je visite le domaine et spa des Pignons Rouges à Saint-Romain. Bienvenue à Tour de Ville! Le week-end dernier, les animateurs en service d'animation estivale de la MRC du Granit ont été formés pour le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Patricia Carrier nous en parle. La fin de semaine dernière a eu lieu la formation des animateurs en DAFA. C'est quoi ça, le DAFA? En fait, le DAFA, c'est le diplôme d'aptitude aux fonctions d'animateur. Donc, c'est une certification qui est émise maintenant auprès des animateurs. C'est une formation intensive. Nous, dans le Granit, c'est sur 2 ans. Donc, il y a une première année où on a les niveaux 2. Puis en plus, ça les incite à revenir une deuxième année par la suite pour compléter leur DAFA. Donc, c'est une fin de semaine de formation intensive sur différents modules. Et puis, dans le fond, après ça, sont aptes à aller travailler dans les OTJ. Donc, on avait tous les animateurs de la MRC du Granit. Ils étaient combien environ? Cette année, on en avait 45 avec les niveaux 3. Donc, il y avait un nouveau volet cette année. On voulait faire revenir ceux qui ont déjà leur certification DAFA. Donc, ils sont revenus avec nous la journée du samedi. Donc, on en avait 46 au total. Ces animateurs-là sont formés avec une norme, avec une certification DAFA. Ça, en fait, ils font sur 2 ans. Mais c'est quoi qu'on peut voir dans ces formations-là? Qu'est-ce qu'ils peuvent vivre, les jeunes? En fait, on leur fait vivre vraiment beaucoup d'expériences. En fait, aussi, on leur dit que ce sont des modèles. Donc, nous, les formateurs, on est 8 formateurs durant la fin de semaine. On est déguisés. Il y a une thématique au niveau de la formation pour justement les inciter à mettre un peu de piquant dans leur animation l'été. Aussi, ils voient les caractéristiques des enfants. Un enfant de 5 ans versus un enfant de 10 ans au niveau des caractéristiques physiques, mais aussi des caractéristiques psychologiques. Donc, il y a des enfants à un certain âge qui aiment moins perdre que d'autres. Donc, tout ça, c'est vraiment une formation très complète sur les différentes aptitudes des enfants. Et aussi, on travaille beaucoup, on fait passer beaucoup de théorie, mais au travers du jeu. Fait que ça, c'est très important pour nous, que la formation ne soit pas des présentations PowerPoint, toute la formation, mais vraiment qu'on leur donne envie d'appliquer cette belle théorie-là, mais en jeu. Donc, il y a vraiment beaucoup de modules, là. Il y a aussi les mesures d'urgence, il y a aussi les techniques d'animation. Donc, on fait vraiment le tour des différentes caractéristiques que l'animateur doit posséder pour animer. Et puis, est-ce que c'est tous les animateurs de la MRC du Granit qui travaillent dans un service d'animation estivale qui ont été formés cette année? Tous ceux qui vont travailler dans la MRC, est-ce qu'ils ont tous suivi la formation? Et oui, la réponse est oui. Chez nous, c'est ce qui nous caractérise. La formation DAFA est obligatoire. Donc, les responsables au niveau des OTJ sont très conscients que c'est une formation qui est très utile et très performante. Donc, nous, l'ensemble des formateurs ont soit déjà en main leur diplôme d'aptitude de fonction d'animateur ou sont en cours de recevoir leur certification. Si je résume, les jeunes font une première année, ont été engagés dans une OTJ, font la formation de première année, animent tout l'été, reviennent une deuxième année pour faire une autre formation, passent un examen, et puis qu'est-ce qui vient par la suite? Dans le fond, c'est ça. Une fois qu'ils ont complété leurs 2 examens, leurs 2 formations d'une fin de semaine, il y a un stage pratique de 35 heures qui est évalué. Donc ici, à la MRC, avec le soutien de Gizmo, on passe dans les SAE, puis on évalue le stage pratique. Donc il y a différentes caractéristiques qui vont être évaluées. Donc c'est ce qu'on fait là, et par la suite, ils ont une note finale. Donc ils ont une note des 2 examens théoriques et une note de l'examen pratique. Et ensuite, c'est leur certification DAFA qui est émise à la fin de tout ce beau cheminement-là. Donc, leur certification DAFA leur donne justement, approuve qu'ils ont été formés, mais aussi ils peuvent travailler à la grandeur du Québec. C'est reconnu partout, cette formation-là, c'est ça? Oui, en fait, c'est une initiative du CQL, qui est le Conseil québécois du loisir, en partenariat avec Québec en forme et le ministère de l'Éducation et du loisir. Et puis, oui, pour tous les centres communautaires
partout où il y a de l'animation à faire, c'est une certification qui est reconnue à la grandeur du Québec. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit de plus en plus lorsqu'on passe les entrevues pour engager les animateurs. Il y en a déjà qui ont leur certification d'AFA, donc ça fait une bonne différence, puis ça leur donne un coup de main, déjà une longueur d'avance pour aller chercher l'emploi qu'ils désirent en animation. Donc, les parents peuvent être rassurés. Les jeunes qui s'occupent de leurs enfants cet été sont formés, ont des cours de premiers soins aussi, savent comment animer, savent comment répondre aux besoins des enfants. Je vais te poser une dernière question de parents en finissant. Pourquoi des noms de camp? On entend des gizmos, pirouettes, cacahuètes, smarties, rumba. C'est quoi ça? En fait, c'est pour conserver notre petit côté de vie privée, parce que les enfants, lorsqu'on les anime, on crée des liens assez forts avec eux. Mais par contre, ils veulent savoir un peu tout sur notre vie privée par la suite. On a quel âge, c'est qui notre conjoint, conjointe, tout ça. Donc, en ayant un nom de camp, bien, ça nous permet de préserver un petit côté de notre vie privée. Puis en même temps, ça crée un petit suspense au niveau des enfants qui veulent savoir à la fin de l'été quel était notre vrai nom. Donc, c'est pour créer encore là un petit côté d'animation intéressant. Puis les enfants sont toujours détectives tout au long de l'été pour savoir comment on s'appelle. Et puis, à la fin de l'été, tu es en train de travailler là-dessus. Il y a la fête des OTJ qui s'en vient. Ça va avoir lieu quand? Oui, en fait, la fête des OTJ, ça va avoir lieu le 7 août prochain au Centre sportif Mégantic. Il va avoir un côté animation le matin assez intéressant. Donc, il va y avoir un parcours dans le nouveau centre-ville. Et aussi, il va y avoir une parade, donc avec la musique, les enfants. On va aller bientôt rencontrer les commerçants pour qu'ils embarquent avec nous dans cette belle aventure-là. Et dans l'après-midi, il y aura un côté animation un peu plus au niveau du centre sportif, où il y aura la baignade, accès au gym, la trampoline, le mur d'escalade et tout ça. Donc, on souhaite une belle été à tous les enfants, à toi aussi. Je te remercie beaucoup. Bonne journée. Merci à toi. Bonne journée. Câble Action tient à informer sa clientèle qu'elle ne communiquera jamais avec ses abonnés pour leur demander de mettre à jour un mot de passe ou un numéro de carte de crédit par courriel. Si vous avez un doute, ne répondez pas à ce genre de message et contactez-nous. Ainsi, lorsque vous recevez un courriel vous avisant qu'il faut confirmer votre mot de passe, numéro de carte de crédit ou toute autre information personnelle du genre, il s'agit nécessairement d'une fraude ou d'une tentative d'hameçonnage. Voici un exemple de courriel frauduleux. Des pirates informatiques tentent régulièrement d'obtenir ce type d'informations en se faisant passer pour différents fournisseurs ou même pour une institution bancaire. Heureusement, ce type de courriel est facilement reconnaissable. En effet, le texte dans ces courriels est souvent mal formulé et comporte des fautes d'orthographe. Si vous recevez un courriel inhabituel ou qui semble frauduleux, n'y répondez pas et supprimez-le sans crainte. Vous pouvez nous faire parvenir le courriel en question à l'adresse soutien@action.ca pour fin d'investigation. Pour plus d'informations, contactez notre soutien technique au 1-866-552-9466. Il y a plein de nouveaux cours au Centre sportif Mégantic. C'est maintenant le temps de s'inscrire à la session d'été. Jean-Sébastien Roy nous en parle. C'est le temps des inscriptions au Centre sportif, là. En plein ça, la programmation d'été s'en vient. Ça va commencer du 22 au 15 août. Mais les inscriptions, c'est avant, bien sûr. Alors, c'est du 13 au 16 juin. Sur les heures de l'ouverture de l'accueil ici au CSM, vous vous présentez soit en personne ou sinon par téléphone si vous avez une carte de crédit. Ça fait la même chose aussi. Donc, on peut s'inscrire à tous les nouveaux cours, à tous les cours, puis les nouveaux cours, parce qu'il y a de la nouveauté, là. Oui, cet été, on est allé avec plusieurs nouveautés. Tout d'abord, on a un nouveau cours, c'est le Zumba en plein air. Ça va se dérouler à l'OTJ de Mégantic, mais on s'inscrit quand même ici à la programmation. Mais ça se trouve à faire du Zumba avec la magnifique vue sur le lac. Ensuite, on a du Aqua Zumba, ça veut dire du Zumba, mais dans la piscine ici. On a aussi de l'Aqua Jogging pour les aînés. Beaucoup de personnes nous l'avaient demandé. On l'instaure dans cette programmation-là pour ça. Du Zumba, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quoi au juste? C'est un entraînement physique. On pratique surtout ce qui est endurance musculaire et endurance cardio-respiratoire, tout en dansant puis avec de la musique. Mais c'est pas de la musique de nos jours, quoi que ce soit. C'est souvent de la musique, exemple, latine ou quoi que ce soit, qui est un petit peu festif. C'est un peu comme le party dans la place, là. Donc, on n'a pas besoin d'être expert ou d'en avoir déjà fait. C'est surtout un entraînement pour s'amuser du Zumba, c'est ça? C'est en plein ça. Puis en plus, il y a une personne en avant, puis vous avez juste à reproduire ses mouvements. Fait que vous n'avez même pas besoin de connaître les mouvements ou quoi que ce soit. La personne est là pour vous expliquer, OK, maintenant, on va faire ça, puis vous suivez ses mouvements à elle.
Il y a des cours aussi qui ont changé de nom? Oui, exactement. Le Club des maîtres, qui est souvent connu depuis quelques temps, a été changé pour entraînement à longueur parce qu'on s'est aperçu que plusieurs personnes, quand ils pensaient Club des maîtres, pensaient que c'était des nageurs de haute qualité et de haute performance. Il y en a, puis on les veut encore. Mais entraînement à longueur, on essaie de aussi dire, bien, eux qui aimeraient juste essayer de s'entraîner ou essayer de perfectionner leur style de nage sont les bienvenus aussi. Fait qu'on, c'est un test qu'on essaye. Donc, on peut s'inscrire au Centre sportif à partir du 13 juin. Tu peux me rappeler le numéro de téléphone? Oui, le 819-583-0630. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Merci, Sophie. Je suis la mémoire du monde. Je suis le Kaidu. Nous sommes venus il y a plus de 150 ans. Nous sommes venus et nous sommes restés. Des mines et des hommes. Venez nous voir! On va vous raconter notre histoire. Venez nous voir dans nos beaux coins de pays. Placé du côté de Saint-Romain, où j'ai découvert le magnifique endroit, le Domaine et Spa des Pignons Rouges. Voici ma rencontre avec Martine, la propriétaire. On est dans un magnifique endroit, le Domaine et Spa des Pignons Rouges, ici à Saint-Romain. Oui. Tu es propriétaire. Explique-moi, c'est quoi le concept ici? Le concept du domaine, c'est une place où les gens peuvent venir en vacances. Puis en même temps, c'est un centre de villégiature. Okay. Nous, on a 7 chalets à louer qui vont de 2 à 14 personnes, dont certains avec des spas privés. Fait que c'est pour ça Domaine et Spa des Pignons Rouges. Et puis aussi, on a un petit centre de détente qui se passe à l'extérieur. On donne des massages sur le bord de la rivière. Fait que ça, les gens qui viennent en vacances, ils aiment bien ça. Puis, bien, il y a d'autres choses aussi à faire sur le domaine. On a 15 km de sentiers pédestres. Okay. On a une mini-ferme. On a un lac pour la baignade. On a un autre lac pour le canot et le pédalo. Les gens peuvent se faire des feux de camp, parc de jeux pour enfants, parc de jeux plus pour adultes, terrain de volleyball, jeu de fer, tout ça. Puis la rivière avec les chutes, c'est aussi un attrait en soi. Là. Ici, là, les gens aiment ça. Ils vont prendre des petites images, vont se baigner au pied des chutes. Fait que, puis on a une trentaine aussi de terrains de camping. OK. Fait que c'est un petit camping, mais qui commence à se développer pas mal. La demande est là. Puis ça fait changement aussi de se retrouver dans la nature vraiment comme ça. Et les gens recherchent ça beaucoup, là. Donc, on peut louer un chalet, on peut louer un terrain de camping aussi. On peut venir se faire faire des soins. On n'a pas besoin d'être nécessairement dans un chalet pour venir se faire faire un massage sur le bord de la rivière, c'est non, ça? Non, c'est accessible à tout le monde. Les gens, il faut qu'ils prennent rendez-vous. Mais même s'ils n'ont pas de camping ou de chalet, ils appellent. Puis s'ils veulent un massage, on va offrir ce service-là pour ces personnes-là, oui. Ça doit être assez différent comme expérience. Oui, les gens aiment vraiment ça, là. Sur le bord de la rivière, surtout qu'on masse en dessous, on a des gazebos. Okay. Donc, souvent le vent, le soleil, l'eau, tu sais, ils reçoivent tous les éléments. Ça fait vraiment changement. Et puis, on peut louer pour une fin de semaine, une semaine, un mois. Comment ça fonctionne? C'est toujours au minimum 2 jours. Okay. C'est sûr qu'à partir des fêtes de la construction, des vacances de la construction, on demande minimum 5 jours. Jusqu'à la mi-août. Puis après okay. ça, on retombe au minimum 2 jours de location parce que c'est des chalets. C'est pas, c'est un petit peu plus long à faire le ménage. Oui. Mais les gens aussi comprennent. Quand ils viennent ici une journée, avec toute l'offre qu'on a, c'est pas assez de toute façon. Fait que c'est de même qu'on fonctionne. Puis on est ouvert à l'année aussi. Donc c'est ça, on peut louer aussi les chalets en hiver? Oui, en hiver, les chalets sont loués. Dans le fond, nous, nos sentiers pédestres deviennent des sentiers de raquettes et de ski de fond. OK. Et puis, on a une glissade aussi sur le domaine qui fait 1,5 km. Wow! Ça c'est l'attrait vraiment populaire l'hiver. Les gens ne savent pas nécessairement, vous êtes situé à Saint-Romain, mais sur la 108, il faut entrer sur le domaine pour venir voir. C'est pas accessible sur le chemin, là. Comment on fait pour s'y rendre? L'entrée se prend sur la 108. À la sortie du village de Saint-Romain, quand on s'en va vers Lambton, on voit une pancarte au chemin de la 108. C'est marqué Domaine et Spa des Pignons Rouges. Il faut faire environ 1 km dans le bois. On longe la petite rivière et on arrive au premier chalet qui est l'accueil.
Donc, si on veut réserver, si les gens veulent avoir plus d'informations, on peut vous joindre à quel numéro? Dans 418-486-2811 ou sur notre site Internet qui est www.chaletpignonrouge.com. Et je te remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle saison estivale, plein de visiteurs. Merci beaucoup. La traversée internationale Lac en fête Mégantic, une présentation Hydro-Québec. Sprint 1 km. Volet amateur. Coupe du monde Fina Rosa. Défi Splash. Nouveauté 2015. Troisième étape de la Coupe Espoir Canada, carrossier Beaucolor. Scène Loto-Québec. Vendredi 7 août, Vénus et les trois accords. Samedi le 8 août, hommage aux colocs et cannes. C'est comme ça que ça se passe au Québec. On fait ça à la bonne banquette. Dimanche le 9 août, The Single et Jérôme Couture. Scène Action. Vendredi 7 août, DJ Shortcut. Samedi 8 août, Chronique. Animation, bac de manège et jeux gonflables. Parcours aérien et amuseur public. Spectacle de Théo et la tournée Yopa sur la route. L'incroyable expérience avec Daniel Couture. Info billetterie. Accès gratuit pour les 17 ans et moins. Passeport en pré-vente jusqu'au 2 août à seulement 20 $. Accès journalier. Jeudi, gratuit pour tout le monde. Vendredi et samedi, 14 $. Dimanche, 10 $. Du 6 au 9 août. La traversée internationale Lac en fête Mégantic. Une présentation Hydro-Québec. C'est un rendez-vous. Voilà ce qui conclut l'émission pour cette semaine. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine afin de connaître les nouveaux cours offerts à la formation des adultes. Pour toute question ou commentaire, je vous invite à nous joindre à l'adresse cable11@commercialaction.ca. En terminant, je vous laisse sur la capsule du Comité en environnement du Cégep de Lac-Mégantic. Bonne semaine! Bonjour, je suis Darivar, enseignante au Centre d'études collégiales de Lac-Mégantic et aussi responsable en environnement. Saviez-vous que la styromousse fait partie des polystyrènes? Et oui, on dit la styromousse, qui est évidemment la francisation de styroform. Le vrai terme qu'on devrait utiliser est en fait polystyrène extrudé. Ce matériau-là est en fait fabriqué à 98 % d'air. Voilà pourquoi sa valeur marchande est assez faible et que peu d'entreprises s'intéressent à son recyclage. Donc, quoi faire pour éviter l'enfouissement de ce matériau? Eh bien, plein de solutions, à commencer par le premier R des trois R, soit réduire. Oui, quand nous allons à l'épicerie, nous pouvons favoriser l'achat en vrac plutôt que l'achat emballé en styromousse. Chez le restaurateur, pour nos repas, nous pouvons demander des emballages de carton ou d'aluminium recyclables. Si nous avons une fête d'enfants et que nous n'avons pas envie de faire la vaisselle, nous pouvons favoriser la vaisselle en carton et ou compostable, les deux qui sont accueillis dans le tri compostable de la ville de Lac-Mégantic. Et ultimement et idéalement, nous favorisons la vaisselle durable et lavable. Alors, je récapitule. Un homme qui portait un masque de kabuki vous a attaqué avec une armée de robots volants miniatures. Des micro-robots! Baymax, dis-lui! Oui, officier. Des micro-robots. Oui, il les contrôlait par télépathie, avec un neurocervotransmetteur. Dépêche-toi! Je ne suis pas rapide. Non, tu crois? Allez, cours, cours!
Donc, M. Kabuki a utilisé la télépathie pour t'attaquer, toi et le ballon de baudruche. Je sais, ça a l'air dingue. Petit, et si on appelait tes parents pour qu'ils viennent te chercher? Quoi? Hein? Écris-moi ton nom, ton numéro de téléphone sur cette feuille et nous pourrons... Bon. Il faut attraper ce type. Mais d'abord... Il te faut quelques petites mises à jour. Avec un masque, viens d'essayer de nous tuer. C'est trop cool, hein? Enfin, c'est un peu flippant, mais trop cool. Mais qu'est-ce que tu as? Je n'ai plus de batterie. Tu es rentré, chérie? On a sauté d'une fenêtre. Qui est là? Chut. On a chuté d'une fenêtre. Excuse-moi, si on donnait quelques billets, accepterais-tu de nous acheter des bières ou du vin? Une personne l'a fait pour moi quand j'avais ton âge. C'est un genre de rite de passage, pas vrai? J'avais un bon pressentiment à ton sujet. Je peux pas en dire autant. Oh, regardez les mamelons qu'il a! Et pourquoi t'as pincé les mamelons? C'est Bouddha! Tu t'es converti au bouddhisme? Tu manges avec nous? On peut manger de la pizza maison? Ouais, excellente idée. Chérie, j'ai pas envie de te voir gaspiller ton éducation, tes diplômés universitaires. J'ai été con d'attendre aussi longtemps avant de faire ça. Non, non, oh, tu te lèves. Je reviens dans une seconde. Je suis à la rue pour une semaine. Mon père participe à une soirée pour divorcer, donc il sera en retard. Papa, frappe avant d'ouvrir. Wow, les étudiantes du secondaire ont l'air vraiment matures de nos jours. T'es qui, toi? C'est difficile à expliquer. Et tu connais celle sur la fille de 30 ans un peu perdue qui fréquente une bande d'ados prépubères? Non, vous? Non, on m'avait jamais raconté cette blague avant. Aucune idée de ce que je ferais de mon avenir. Et je me suis accordée une semaine. Tu sais, moi non plus, j'aurais pas cru devoir encore chercher ma place dans le monde, même une fois devenue adulte. Tu peux rester ici plus longtemps, si nécessaire. Salut. Je dois aussi retirer le chien d'œil de ma fille. Ça me donne la chair de poule. Tu te promènes en ville et bois des chocochinos avec... Megan, c'est elle qui te vend de la drogue. Ok, je vais te dire deux choses que j'ai pu remettre en perspective récemment. Ça te sert à rien de mettre de côté ce que tu veux en fonction d'un avenir imaginaire. Mieux vaut que tu l'assumes et que tu suives ton cœur. Est-ce que tu baises avec son père? Non, c'est pas du tout ça. Oh, c'est dégueulasse. Quelqu'un a dit un jour, notre destin ne dépend pas des astres, mais de nous-mêmes. Mais je crois que tout ce qui nous arrive... Attention, ne restez pas là! ...n'arrive pas sans raison. Dawson? Tu ne sais pas comment draguer, c'est ça? J'ai dû faire tout foirer l'autre jour. C'est sûr. Tu vas t'y prendre comment? J'aimerais bien réessayer. Alors fais-le. Tu veux danser avec moi? T'as attrapé une fille de riche qui est en pleine crise d'adolescence. Elle t'a dit que t'étais extraordinaire, t'es rien du tout. Attends! Je ne veux pas que tu sois blessé. Est-ce que t'es sérieux? Est-ce que tu me veux? Oh oui! Il nous arrive de mauvaises choses quand on a de mauvaises fréquentations. Il essayait de me protéger, rien de plus! Si c'était la dernière fois qu'on se voyait, qu'est-ce que tu dirais? Je t'en prie, fais pas ça. Je t'aime. Attends, Dawson! C'est un miracle que tu sois encore en vie. Y a quelqu'un à qui tu veux téléphoner ?
Amanda? Dawson? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? 20 ans. 21. Mais qui tient le compte? C'est dangereux. Tu n'as jamais été aussi beau. Est-ce que t'aurais pas pu devenir chauve ou bien bedonnant? Tout ça m'a manqué. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis qu'on s'est vu. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Ma vie? Il y avait tellement de choses que tu voulais faire. Je voulais les faire avec toi. Je t'en veux d'avoir cru savoir ce qui était le mieux pour moi quand c'était toi qui étais le mieux pour moi. Il y a beaucoup de craintes de revenir ici. Je t'ai perdu une fois. Je ne veux pas te perdre à nouveau. You give me all of you. Je me lève. Je me lève. T'aimes ça, hein? Belle voiture. Merci. Combien? Excuse-moi? Combien pour le taux? Elle n'est pas à vendre. Passez une très belle journée, monsieur. Daisy? J'ai tout perdu. Ce chien était le dernier cadeau de ma femme mourante. Jonathan, tu t'en es sorti une fois. Si tu ne trempes ne serait-ce que le petit doigt dans l'étang, tu trouveras peut-être quelque chose qui te tirera dedans. C'est personnel. Où elle vient, cette voiture? Qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas ce que tu as fait, mon fils. C'est à qui tu l'as fait. Quoi, ce moins que rien? Ce moins que rien. C'est John Wick. T'as repris le boulot? Non, je règle des petites choses. Monte une équipe. Combien d'hommes? Combien est-ce que tu en as? Salut, John. Je me suis permis d'entrer. Tout le monde me demande si j'ai repris du service. Oui. Je peux dire que j'ai repris du service. J'ai pas peur de John Wick. Uh-huh. Il y a une buanderie dans l'hôtel. Oh, rendu là, c'est trop. C'est ce que je croyais. Il entre par la grande porte. Et, j'ai vraiment juste hâte de tirer le flambeau d'où ce qu'il faut que je le pitche. Puis je me touche le bois tous les matins en me disant que ça va bien aller. Suivez ses exploits. Coupé! Number one, buddy. Ils vont tuer 24-7, 24-7. Même quand je suis à l'intérieur de l'intimité de Shannon. Mais non. Oh, OK. Phew! Patrice Lemieux, 24-7. À super écran.